Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Lidl et Action spécial produit pour l'organisation dans la maison, au niveau de la cuisine. J'ai aussi été vraiment rapidement à B&M pour voir voilà, furtivement ce qu'il y avait en nouveauté automne et j'ai trouvé une superbe belle chose donc je vais vous la montrer aussi. Enfin bref, voilà, j'ai fait en premier Lidl pour voir un petit peu les nouveautés parce que j'ai vu pas mal de choses circuler sur Instagram et je me suis dit... Je vais aller y jeter un petit coup d'œil et j'ai trouvé des trucs pas mal. Chez Action, j'ai pris des choses aussi pour tout ce qui va être DIY, puisque je vais me lancer là gentiment dans les DIY et je vais vous montrer tout ça. J'ai trouvé vraiment des choses super bien sur Pinterest, donc à voir si je réussis à refaire. Donc là, c'est parti en premier, je suis chez Lidl et donc je passe toujours au rayon des plantes pour voir s'il y a des bons plans, s'il y a des promos. Et là, j'étais en pleine recherche de chrysanthèmes justement pour faire une déco. Compléter ma déco de jardin, mais là il n'y en avait pas encore, donc je pense qu'ils vont en faire. C'est pas tout à fait encore le moment, mais voilà, je guette parce que je sais que c'est carrément moins cher chez Lidl. Donc là j'ai quand même pris ces plantes là pour pouvoir mettre dans mes jardinières à la fenêtre. Ensuite je suis passée au rayon de tout ce qui est non alimentaire, c'était vraiment pour ça que j'y allais, et j'ai trouvé ces superbes ustensiles de cuisine tout rose, voilà, enfin rose avec le manche en bois. Donc par contre ils ne passent pas à la vaisselle, mais après je vous détaillerai de toute façon tout ce que j'ai pris et je vous ferai un petit haul, voilà, haul avec tout ce que j'ai pris. Là je vous montre dans le magasin parce que je sais que beaucoup me demandent aussi, emmène-nous dans les magasins voir un petit peu ce que t'as toi dans les rayons, etc. Donc voilà, c'est pour ça j'en ai profité pour vous emmener avec moi. Donc là il y avait pas mal de machines intéressantes pour la cuisine, donc là un appareil de mise sous vide pour ceux qui cherchent. Il y avait aussi un cuiseur à riz, un mixeur plongeant à des prix très corrects, voilà, très corrects. Il y avait aussi un ensemble comme ça de fait tout, et j'ai trouvé un taille-crayon électrique, voilà, pour tailler les crayons des enfants. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. Aussi j'ai vu ce gaufrier là, pour tous ceux qui me demandent voilà, où est-ce qu'on peut trouver des gaufriers à pas trop cher chez Lidl, il y en a, voilà, il y en a. Et aussi chez Action vous en avez. D'ailleurs là c'est parti, je suis chez Action et j'ai vu ces plantes, cette plante là, cette fausse plante, c'est exactement la même que celle d'IKEA, sauf qu'à IKEA elle est à 10 € il me semble, donc là c'est clairement un bon plan. Moi j'en ai pas acheté parce que j'en ai déjà une à la maison, donc voilà. Ensuite j'ai vu ces petites fleurs artificielles sur le thème de l'automne, je les ai trouvées très jolies également. Et donc là j'y allais pour les bacs de rangement pour désencombrer la chambre des enfants. J'ai vu au rayon de Noël et j'ai vu des petites guirlandes comme ça, j'ai pris sur moi pour ne pas prendre des choses de Noël, sauf une chose, ça je pouvais pas laisser, vous allez comprendre. Voilà, ce mug, vraiment trop trop joli, vous voyez, il en restait pas beaucoup. Donc je me suis, voilà, j'ai même pas réfléchi, je l'ai prise, je l'ai pris directement à 2,99 €. Et là il y a plein de belles assiettes comme ça, de présentation, pour l'apéro, etc. pour Noël. Mais bon voilà, je me suis calmée, j'ai dit attends un petit peu quand même, parce que voilà, enfin, chaque chose en son temps. Et j'ai vu aussi ce magnifique lettrage, là, Christmas. Pareil, j'ai pris sur moi, je voulais le prendre et tout, j'ai réfléchi, j'ai hésité, mais et voilà, et je me suis dit non, attends encore un petit peu. Pareil pour les cadeaux, ça pourrait être sympa pour une déco sous le sapin, voilà, pour faire, parce que j'en cherchais depuis un petit moment, des cadeaux comme ça, des faux cadeaux. Et là, j'ai vu cette superbe couronne comme ça, et vous voyez, quand j'avais été l'autre fois, les deux rangées étaient pleines, et là, il en restait pas énormément. Tout mis derrière, je vais pas vous montrer les produits comme ça un à un, je vais prendre la caméra et vous montrer les produits qui sont sur le plan de travail, comme ça vous verrez mieux les produits plutôt que de vous les montrer rapidement comme ça, je trouve que ça peut être pas mal aussi. Donc ça c'est Lidl, donc je vous montre, et juste, non, avant toute chose, puisqu'il n'y a qu'un seul produit là-bas, c'est B&M avec cette magnifique bougie, donc qui sent le caramel, elle sent vraiment trop trop bon. Et voilà, là comme ça, deux mèches, elle est vraiment trop belle, en forme de citrouille. Ils les font aussi couleur beige, donc voilà, beige blanc, ouais, c'était du beige blanc. Donc moi je me suis dit non, je vais rester dans mon vrai automne avec les belles couleurs, enfin voilà, orangées. Et elle était à 5,49 € la bougie, voilà.
Ensuite, donc là, j'ai pris des petites fleurs comme ça pour une de mes jardinières. Donc voilà, à Lidl, franchement, ça vaut vraiment le coup au niveau des plantes. Ça évite de se ruiner et ça vous permet d'avoir des belles jardinières tout au long de l'année. J'ai pris un petit carnet donc pour pouvoir noter et m'organiser avec les repas. Je trouve que ce carnet est vraiment très très bien fait. Vous avez ici les menus du jour, des petits post-it. Alors ça, je m'en sers pour mettre dans mes livres de recettes. Dès que je trouve une recette qui me plaît, bah, je prends un post-it et je le mets dedans, comme ça j'y retourne plus facilement. Là, vous avez la shopping list. Là, vous avez des petites notes, voilà. Et pareil, des petits post-it comme ça pour marquer les pages. Donc non, ça vraiment, c'est très pratique. Ça a coûté 2,29 €. Oh, je vais y arriver. J'ai pris ceci chez Lidl aussi, c'est vraiment trop trop bien. Ça faisait un moment que j'en voulais, je n'en trouvais pas. Ça, c'est pour nettoyer en fait mon évier. Ça, c'est vraiment super efficace parce que c'est très, comment dire, ça décroche bien la saleté, voilà. Vous voyez, les picots sont quand même super durs. Et là, c'est pratique avec la prise en main comme ça pour bien nettoyer et tout partout. C'est juste parfait, 2,29 € également. J'ai trouvé ceci, donc ça, c'est une petite boîte de conservation pour le citron et je suis heureuse puisque à chaque fois, moi, le citron, je sais jamais quoi en faire dans le frigo, ça m'énerve, je sais pas où le mettre, enfin voilà, enfin c'est toujours un peu compliqué. Donc là, au moins, mon petit citron, mon demi-citron ira à l'intérieur ou mes tranches de citron même iront dedans. Ça coûtait 2,99 € la boîte. Et vous aviez également pour les avocats, vous aviez pour les tomates, mais moi c'est vraiment le citron quoi qui est problématique pour moi. J'ai pris un presse-ail. Alors du coup moi j'en avais acheté un chez Action et le problème c'est qu'il a duré 3 jours. Il s'est cassé en ouais bah en 3 utilisations, 2-3 utilisations et j'étais super déçue. Je trouve que c'est bien pratique d'avoir un presse-ail pour voilà pour la préparation de ses repas. Il était à 2,99 € aussi, il me semble, ou 3,49 €. Voilà. Là, j'ai pris ces ustensiles-là de cuisine tout rose. Voilà, vraiment super joli. Et ça coûte 2,49 € l'unité. Voilà, chaque ustensile est à 2,49 €. J'ai trouvé ensuite ce taille-crayon électrique. Là, rien à voir. Rien à voir avec l'organisation de la maison, mais j'ai vu qu'il faisait des shampoings secs de la marque Sienne. Et du coup, bah, il m'en fallait un. Voilà, juste pour ma mèche de devant qui a tendance à régresser un petit peu vite par rapport au reste de mes cheveux. Donc voilà, un petit coup de shampoing sec, ça pourrait être pas mal à voir s'il est bien celui-là. Ensuite, on passe de l'autre côté du plan de travail. Alors je vous montre, il y a beaucoup de choses pour faire les DIY. Donc là, j'ai trouvé ce gros bloc papier avec plein de dessins magnifiques à l'intérieur. Vraiment, chez Action, il faut bien fouiller, vous trouvez plein de pépites comme ça. Donc là, c'est des feuilles, bon, on n'a rien à voir, mais je sais que je vais pouvoir faire des petites choses avec aussi. Et là, donc, vous avez encore des feuilles, des feuilles, des feuilles. Et là, regardez, vous avez des superbes cartes comme ça. Donc ça, je vais en mettre dans un cadre. Voilà, pour faire des superbes cadres. Parce que c'est le type de cadre, justement, que j'adore mettre. Mais je n'en trouve jamais avec des mugs comme ça. Bon, là, il y a ça aussi, c'est très joli. Ça, et du coup, c'est pour ça que j'ai pris un petit cadre comme ça. Donc après, je vais mettre une autre affiche en dessous. Enfin, bref, je vous montrerai, je mettrai un fond un peu couleur bois. Et par-dessus ça, et du coup ça va être vraiment trop joli, soit dans la cuisine ou ailleurs, enfin peu importe, je trouverai bien un endroit. Et à l'intérieur vous avez plein d'autres choses, vous avez plein de petites choses comme ça, vous avez voilà, vous avez des belles affiches pareil comme ça pour mettre dans les cadres. Ça peut être vraiment sympa quoi, vraiment sur le thème de l'automne, je parle toujours, ou thème cosy, ou même pourquoi pas toute l'année, mais c'est vraiment très joli. Donc ça, vraiment trop contente de l'avoir trouvé. J'ai pris ce bloc-là de feuilles, pareil pour faire des DIY. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure là des vidéos de cette semaine. J'ai pris donc justement un petit set comme ça avec des citrouilles, des pommes et tout. Ça va me servir pour mon DIY aussi. Je vous ai pas montré là, juste là, j'ai pris des chaussettes Cocoon. Cocoon Time, donc ça, elles ont l'air vraiment trop douces, trop confortables. Elles étaient en nouveauté de la semaine, celles-ci. Donc là, à mon avis, ça va partir très très vite, ces petites chaussettes-là. Là, j'ai pris donc des pinceaux parce que je vais peindre, je vais peindre. Voilà, je vais peindre. Pareil, ce bloc-là, en fait, je savais pas trop comment faire. Je savais pas trop comment faire. S'il fallait que je prenne un bloc comme ça à peindre ensuite avec du orange, ou bien prendre directement des feuilles orange. Donc, je vais voir ce qui rend le mieux. Parce que ce orange-là, ici, il est un peu pétant. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà. Le orange, il est un peu trop orange, mais après à voir. Et là, pourquoi pas peindre. Justement, j'ai pris un lot de peinture comme ça. C'est dommage qu'ils ne vendaient pas le orange à l'unité, donc j'ai dû prendre tout ça. Mais bon, je pense que. Enfin, voilà, je vais être amenée à refaire d'autres DIY, je pense, cette année. Donc ça me servira.
avoir Creative Paint. Donc ça, ça coûtait 3,49 € les 4 de peinture. Et j'ai aussi pris celui-là comme tube de peinture en vieux rose. Donc voilà, à voir, à voir. Je ne sais pas trop dans quoi je me lance, mais on va voir. Et j'ai aussi pris des lettres comme ça pour écrire différents mots sur l'automne et tout et tout. Ça va être vraiment chouette. Je vais pouvoir vraiment personnaliser, si vous voulez, mon cadre. Et je suis trop contente. Et j'ai aussi pris de la colle. Du coup, j'espère que ça va aller. C'est de la toute surface glue. Bon, elle était au rayon des DIY, tout ça, enfin au rayon créatif, donc je pense que ça devrait le faire. Donc à voir, à suivre. Et j'ai pris donc ces fameux cadres. Voilà, donc là c'est un bois comme ça blanc avec une bordure un peu argentée. Là c'est la bordure bois avec du blanc et là c'est du tout tout bois. Donc voilà, je vais essayer de me faire mes cadres personnalisés, je vais voir. J'ai repris un marche-pied comme ça pour qu'il y en ait un en haut et un en bas, voilà, pour les enfants, parce qu'ils mettent de plus en plus dans la cuisine. Donc au moins comme ça ils sont à la bonne taille et ça évite de descendre celui qui est dans la salle de bain. J'ai trouvé cette tasse. Je pense qu'il va, elles vont partir très vite également. Donc, bah voilà, j'ai sauté dessus. Ce type de tasse-là, vous les trouvez chez Maison du Monde, à peu près le même style, pour 10, voire 12, ou même des fois un peu plus au niveau des mugs. J'ai déjà acheté un mug une fois de Noël, parce que je le trouvais magnifique, à 15 €. Donc ça coûte super cher. Là, il était à 2,49 €. Franchement, je me fais plus avoir. Je les prends chez Action. Le problème, c'est que ça part très très vite. Et quand on arrive à Noël, en général, il n'y a déjà plus rien. Donc si ça vous intéresse, franchement, il faut commencer à regarder maintenant. Voilà. Surtout que ça va encore. C'est pas le genre de déco qui est dur à stocker. Vous pouvez très bien ranger ça tranquillement dans votre cuisine. Ça prend pas spécialement beaucoup de place. Ensuite, j'ai pris en rapport avec Noël un allume comme ça. Ils mettent allume-gaz, mais moi c'est pour allumer mes bougies, puisque je ne retrouve plus le câble de mon allume-bougie électrique. Il va falloir que je le retrouve. Mais en attendant, au lieu de prendre des allumettes, ça sera plus sympa. En plus, sur le thème de Noël, trop joli. Et je vous ai tout montré, il me semble. Je pense que. Ah non, non, j'ai aussi pris. Bon, ça n'a rien à voir avec la maison, mais je vous montre quand même. C'est des éponges exfoliantes pour le visage. Donc, à voir. C'est une nouveauté cette semaine. Et par contre. Pour l'organisation, le rangement et tout, j'ai pris ces boîtes-là. Elles sont super jolies. J'en ai déjà une petite dans la salle de bain. Je la trouve vraiment trop, trop mignonne avec les carreaux comme ça. Ça, c'est pour organiser dans la chambre de Victor et William. Je vais faire une grosse vidéo demain. Voilà, une grosse vidéo. Voilà, une grosse vidéo transformation du placard. Parce que là, ça ne va plus du tout. Je vous montrerai demain. Il y a des jouets, ça tombe, c'est catastrophique. Et voilà donc pour les nouveautés de Lidl et aussi mes petits achats Action. J'espère que ça vous a plu. Donc demain, je vous retrouve pour une vidéo désencombrement. On va remonter les manches. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.